Ganesh. Oh, sa attends, merde. Viens, ah non, c'était une hallucination. Ouais, y'a quoi? L'hallucination. Ah, je vais dire pourquoi Mélie est en colère, parce que tout à l'heure j'ai fouillé tous les dortoirs des meufs, ok? Ouais, je sais, ils m'ont dit. Et voilà, mais du coup je me dis, vas-y, est-ce que je lui rends ou pas? T'as pété à quoi? Une radio. Vas-y, c'est une radio, on les utilise même pas, ça sert à rien. Brandon, non mais vas-y, donne-la moi, je vais lui donner. Brandon. Quoi? Arrête de te mettre à l'écart, mon ref. Soit t'es avec nous, soit voilà, tranquille. Hein? Mais je sais pas, tu t'en vas dès qu'on parle. Moi lui rendre, j'ai pas envie qu'on me chope toute seule. Tu t'en vas quand on parle, reste avec nous. Ah non, mais tranquille, je vous entends. Vous avez des comportements tous suspects, ça vous bizarre. Et pourquoi les rouges, ils sont pas là, les rouges, là? Eux qu'on entend et qu'on voit. Ils sont dans leur dortoir. T'es sûr, Brandon? J'en sais rien, je pas. Et c'est quoi, la porte électronique, elle est où, là? Ouais, c'est elle. Je sais pas, man. Il se passe quoi, là-bas? Je sais pas. Ah, tu fais genre... Il a fait genre qu'il te connaissait pas, arrête de faire genre. Eh Aziz, on a rien fait, juste je me lavais les mains et je faisais des bruits bizarres parce que je me connais, je suis un peu chiant. Ouais, mais après t'as fait quoi avec? Mais j'ai rien fait, je te jure, en plus j'ai jamais parlé. Il m'a dit comme quoi toi. Mais je connais même pas son prénom, Aziz. Mais c'est pas moi, Aziz, qui nous a dit que tout va nous séparer. Ben regarde, t'as la preuve. Mais pourquoi? Mais c'est pas une raison. Waouh, comment elle est forte. Eh Aziz, t'es un putain d'homme maintenant. Alors ressaisis-toi, mon petit. Écoute-moi, tu l'embrasses là maintenant, devant tout le monde, si t'es un putain d'homme. Et arrête de pleurnicher. C'est toi, tu dois prendre tes putains de couilles à deux mains. Mais tu l'as embrassé. Vas-y, pleure pas. Mais bon, j'en sais plus, ouais, c'est bon. Quoi? Eh, vas-y. Eh, il fait quoi, lui? Il m'a dit bien, je te mets des dreads, il m'a fait une boule à zette. Nickel, j'ai en fait. T'as une putain vraiment plus carré. Ah, mais ça, je reconnais la façon de se battre de salope. Pardon. Viens là. Arrête, tu chies, tiens, tu vas chier. Tu vas chier du sang, bâtard. Pourquoi t'as frappé Brandon? Réponds. Salut, je m'envole! Mais quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Oh, sale bâtard! J'ai envie de tabasser le bleu qui est à l'intérieur là. Arrête, Amid! Arrête de te battre! Sale bâtard! Arrête! Arrête, on va se battre pareil, ça sert à rien, arrête! Viens, on arrête ou pas? Ça te chien, putain! Oh, Steven Seagal, je t'ai dit d'arrêter, abruti! Putain, on peut travailler ensemble, tu veux faire bonhomme, je suis obligé de te réétaler par terre. Non. Regarde, t'as tes règles, bâtard. Vous avez essayé de me la mettre à l'envers. Non. Mais arrête-toi, putain. Vas-y, Amine, je te porte, on va à la fête, ça y est. Comment t'as fait? Je sais pas, frère, les gars. Il y a un conduit secret, je viens de capter. Mais je pensais qu'il y avait besoin du tournevis, moi. Les gars, venez. Mais non, mais il est ouvert, en fait, le conduit. Allez, venez, on va à la fête, les gars, venez. Venez, on y va, s'il vous plaît, venez, on y va. Putain. Oh la vache! Ça va? Mais tu viens d'où, toi? Eh ben, j'étais en train de faire caca, me regardez pas! Vous êtes des malades ou quoi? Putain! Vous êtes en train de tous vous chier dessus, vous êtes trois dedans! Mais non, y'a personne dedans, là! Oh, Kirby! Oh, j'ai trouvé le conduit, en fait! Comment ça? Mais y'a un conduit! C'est dans les chiottes des mecs, on peut sortir! C'est dans les chiottes des mecs! Oh, y'a l'anniversaire, hein! Eh, au fait, j'ai tabassé l'autre bâtard là, comment il s'appelle là? Steven Seagal. Je lui ai cassé la gueule. C'est lequel lui? C'est lequel? C'est le chien qui... Bah, c'est Steven Seagal que j'ai mis en sang. Mais y'en a qu'un, Kirby, suis la vie de ma mère, c'est trop! C'est pas le sort de mythe. Mais y'en a qu'un qui ressemble à Steven Seagal! Tu sais à quoi il ressemble ou quoi, Steven Seagal? Il en faut 4, c'est ça, baby girl? Oh putain, ouais. Ouais, il en faut 4. Mais attendez, venez, je vais enlever la gueule. Vas-y. Ouais, vas-y. Et faites gaffe, c'est l'anniversaire du directeur, hein. Eh, hey, ils sont où Aziz et... Oh, ils sont où Aziz et l'autre? Je sais pas, man. Mais non, putain. Eh, hey, ils sont où Aziz et l'autre? Ils sont à l'intérieur, ils discutaient avec Romuald de sa meuf, parce qu'apparemment, Romuald, il a essayé de la draguer, je sais pas quoi. Oh là là, on s'en bat les steaks. Eh, hey, faut aller les chercher, hein. On va avoir besoin d'eux, les gars. Eh, hey, faut pas qu'on perde notre longueur d'avance pour des meufs ou des gars, hein. Oh. Moi, il faut que j'aille voir Jeff. Jeff, c'est qui? C'est
le concierge. Le concierge. Vas-y, toi et moi, on va chercher les deux. Hé, les radios, j'en ai marre, je l'arrange, vas-y, personne veut l'utiliser. Vas-y. Si je me fais agresser, bah, tant pis. Attends, moi aussi, je vais faire pareil. Vas-y, go. Putain, mais attends. Voilà. Il y a la porte qui est ouverte. Bah voilà pourquoi ils sortent tous, parce que la porte en bas, elle est ouverte. Bah, faut les trouver. Quoi ? Wesh, une poupée gonflable. Wesh. Ils sont où, Aziz et Mais je sais pas, ils sont dehors. Oh, y'a l'autre, pour qu'après vous vous sépariez. Oh, on s'en bat les couilles. Aziz, viens vite, je t'en supplie. Ok, ouais. Vas-y, t'es ta meuf là. On s'en bat les couilles. Tu l'as fait, Aziz. Il vient d'embrasser Robert. C'est ta vraie nature, Aziz. Quoi ? Aziz, viens, on s'en bat les couilles. Ah, ça va vite, ma mère. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais, Aziz, là ? Il l'a embrassé, il l'a embrassé. Aziz, hey, tu... Oh, t'es mais t'as fait, trompé Aziz. Ta go, t'as trompé ta meuf. On s'en bat les couilles. Viens, Aziz. Trompé. Vas-y, viens. Oh, Aziz, s'il te plaît. On perd pas l'objectif de vue pour une meuf ou un mec, ok ? Oh. Ouais, ok. Ok, on se concentre, allez, viens. Ouais, je suis concentré. Hey, vous êtes des malades. Oh, on va louper le... Le directeur là. J'ai d'embrasser un mec, putain, j'ai jamais fait ça de ma vie. Putain, Aziz, je t'en supplie, c'est pas le moment. Putain, je m'attendais pas. Mais pourquoi t'en fais ça? Pourquoi tu l'as embrassé? Aziz, s'il te plaît, concentre-toi. Je suis concentré, putain, j'en ai. Mais pourquoi tu l'as embrassé, man? Je capte pas. Pas moi, ok? Mais... Doucement. Et t'as forcé. Oh, maintenant, il faut trouver où est la fête du directeur. Mais on a le droit d'y aller. On a le droit d'y aller, on est dans les dortoirs, putain, Kirby, à la base. Yonova, des infos, Le bureau du directeur est fermé, le rooftop, il n'y a personne dessus. T'entends des voix ou pas? T'entends quelque chose? Non, rien. Il est où? Il n'y a personne sur le rooftop. Il est où ce putain d'anniversaire? Vas-y, venez, attendez. Mais je me dis, y a rien là-bas, j'y étais. Vas-y, ok, carré. Y a rien même derrière? Mais attends, mais comment tu accèdes au rooftop? Là. Mais non, y a rien. Y'a rien, mais oui. Elle a rien. Bon, ils peuvent être où? Où le directeur peut faire son anniversaire de merde? Bibliothèque? Vas-y, on suit. Non. Vas-y. Il le fait pas ici. Il le fait où? Comment ça? Il le fait dans une villa. Mais attends, pourquoi nous on y est pas? Bien tendu. Et ben on y va. Ah, dans une villa. Vas-y, on y va, on suit, fonce, okay. Aziz. Mais on peut y aller au moins. Mais oui. Kirby, sois pas insouciant, bordel. Bah, je sais pas, Mano. À la base, on nous enferme dans des dortoirs. Maintenant, on peut sortir. Et je comprends plus rien, man. Et je suis perturbé là. Oui, bah je vois ça. Ouais, man. Je passe une bonne soirée, ensuite j'ai passé une sale soirée. Là, là, en face là. Vas-y. Waouh! Sa mère! Ah, Jordan. Oh, j'ai failli canner. C'est clair, t'as failli canner, man. Mais non! Ah si, ça s'ouvrait, wesh. Oh, ils sont tous là-bas, regardez. Ils sont tous là? Oh putain, non, faut se cacher. Ouais. Et les tenues. Mais quoi, des masques? J'ai ce qu'il faut, regardez, j'ai cagoule et tout, mettez des cagoules. J'ai ça, moi. Vas-y. Allez, mais carré, on doit s'habiller comment? Mais elle est à l'ouest, Kirby, putain. Kirby, c'est pas un mariage de un mec. Concentre-toi. Mais je suis jamais habillé comment? Allez, c'est bon. Eh, masque-toi, bibiche. Et si je mets ça, man? Ok. Eh, ils peuvent être tous les autres. Ils peuvent... Non, je vois pas d'élèves, ils peuvent être où les autres? Y'a peut-être un moyen de rentrer là-dedans, venez. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font là, les verts? Oh, les verts, restez discrets, putain, masquez-vous! Oh putain, cours. Oh non, je suis mort. On est mort? Je t'aimais, Nova. Moi aussi, mon chant. Je te l'ai jamais dit et j'ai toujours été jaloux de ta relation avec l'autre bolosse de Bobby. Ah bon? Attends, on est peut-être pas mort. Non, retire ce que j'ai dit. Ok, d'accord, c'est bon, je la retire. Ok. Mais c'est vrai que parfois j'ai envie de m'asseoir sur ton visage. Attends, arrête, ça m'excite et c'est pas le moment là. Je sais même pas comment on ressort, je me rappelle plus. Bien. Eh, on va sortir tout doucement, on marche. On voit quelque chose, on court sa mère dehors, ok? Ce serait pas mieux d'enlever nos masques? Bah non, pourquoi? Mais non, mais si on se fait... Ah, on peut peut-être trouver une excuse pour venir. Mais non, non. Dire que ma mère... Mes parents, qui ont de l'argent, ont financé la... On s'allonge. Attends, ça fait plus de bruit qu'autre chose, sa mère.
Vas-y, on essaye de partir, viens. De la merde, sa mère! Je t'avoue, cette situation m'excite un peu. Hermano! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, vas-y, viens. Hermana, toi. Si tu meurs, je mourrai avec toi! Tu nous refais un film ou quoi là? Ouais, tu connais pas, c'est dans le truc de Dr. Cox. Vas-y, vas-y. Viens. On se calme contre le mur. Tu crois qu'il y a des trucs à voler? C'est ce qu'on va faire, on va faire un truc couille sa mère. Écoute, la sortie, c'est droite et droite, ok? On rush? On court sa mère, on se retourne même pas. Ok? Ok, vas-y. Oh, non, vas-y. Mais tain, j'ai l'impression qu'il y a trop de voix. Non, j'ai l'impression qu'il y a trop de voix. Mais tu veux pas que justement on regarde ce qu'il y a dans la maison? Un truc sympa, non? Attends. Ah ouais, on est bien derrière les chaises. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont à côté. Mais ils sont à côté. Putain. On fait quoi? On rush B? Ou on reste et on écoute? On reste et on écoute. Alors, on va se caler près de la porte, ok? Vas-y, doucement. Non, mais t'es une zinzin, toi. C'est toi la zinzin, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive, là? Non, mais parce que tu veux changer les règles, il y a pas de changement de règles. Ah, si, on change pas les règles, c'est carré. Voilà. Ah oui, je vais faire une crise d'âme, là. La salle de est ouverte et on dit qu'on a une surprise pour le directeur. Eh, si la porte est ouverte, tu cours. Ah bah vas-y, viens, on sort normal. Lenny, t'étais yo, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Salut à vous. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. Elle est grave cette soirée. Salut, bonsoir. Elle est belle la soirée. Salut mon pote. Qu'est-ce que tu fous là, bâtard? Ouais. Yo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bah je suis un invité mon pote, et toi? T'es qui? Monsieur John Nelson. Vous allez bien, inspecteur John Nelson? Comment oui, allez-vous? Je vais bien, et vous? Ben ça va très bien, vous n'êtes pas venu. Vous êtes connu. Ben il est, oui, c'est inspecteur oui. John Nelson, respectez-le monsieur s'il vous plaît. Ah d'accord. Bien sûr, hey, ben oui. Je suis inspecteur, mais moi aussi j'ai des vices. Bien sûr, excellent ça. Et monsieur Nelson, vous êtes toujours aussi bon en humour. Ben oui, allez venez pour cette soirée. Monsieur, vous n'êtes pas masqué ni déguisé, que se passe-t-il? Non, ben du oui, coup... où est la surprise, monsieur? Où est la surprise? Non, j'y vais. Allez-y, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Nelson, est-ce que je vous paye un petit apéro? C'est pas ici, on fait pas pipi. Ah non, c'est pas ici. Putain, c'est quoi cette merde? C'est moi, Jordan. Quoi? J'ai trouvé encore un pied de biche, j'en ai deux, il nous en manque plus qu'un. Ok, bien joué, t'es... Va, cache-le bien, t'es un boss. Vas-y. Putain, mon gars, ici, ça baise, hein. Mon gars. Yo, bonsoir. Salut à tous, bonsoir. Waouh, quelle soirée, bonsoir, madame. Oh, quelle soirée, madame, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous? Ouais, super, on prépare une méga surprise, là. C'était une soirée déguisée, j'étais pas au courant. Ah non, c'était pas déguisé, mais on prépare une méga surprise, je peux pas en dire trop là. La gueule du déguisement. Ah oui, d'accord, Dark Vador. Voilà, oh, vous m'avez reconnu, madame. Oui, super. Vous avez reconnu, c'est Dark Vador. Exactement, mais n'en dites pas trop, c'est pour une surprise. Ok, d'accord, bah je vais aller, c'est notre surprise. Bonsoir, bah oui. Dark Vador. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oh, on peut bien une photo ensemble. Comment?
On peut faire une photo ensemble, si bien vous plaît. Bien sûr, c'est Dark Vador. Il faut que je te parle, c'est important. Et elle, c'est qui, elle? Elle, c'est la vache de la vache qui rit. Exactement. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Venez. Allez, une petite photo avec Dark Vador. Lenny, je te parle. Lenny, oui, j'arrive. Bonsoir, ouais, c'est pour la surprise. Dis-moi, ma petite. Dis-moi, ma vache. Je viens de trouver Yellow. Donc, il y a sûrement les rouges avec elle, comme ils sont toujours collés, mais je suis pas sûre. Oh, il a trouvé un pied de biche, Brandon. Un pied de biche, Brandon, un deuxième. Il nous en manque un. Attends, écoute-moi. Ouais. Elle était avec des mecs masqués. Et ils essayent d'éloigner un videur d'un frigo. Et le frigo, il y a un code dessus. Et ils veulent rentrer, à mon avis, il y a un truc à trouver à l'intérieur. Le boîtier. Il s'est fait taper dessus. Bonsoir, quoi? Où ça? Là. Mais c'est terrible. Venez. Mais que se passe-t-il? Regardez, monsieur. Il y a un rat qui s'est fait taper dessus. Quoi? Mais je vois... Waouh, oui. Bonsoir. Il y a un rat, il s'est fait taper dessus. Mais là, c'est pas un rat, c'est un homme en masque de rat. Ouais, ben... Il a l'air malin. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. Super, merci, madame. Ouais, de rien. Merci, Oui, je m'appelle Dark Jador. C'est pour une surprise, super. Allez, à plus tard, madame. Ouais, à plus tard. Let's go, faut partir maintenant. Ouais, pas de soucis. Allez, la vache qui rit, on y va. T'as entendu ce que je t'ai dit ou pas? Ouais. Mais c'est qui là que j'ai sur mes épaules, ce bâtard? J'en sais rien. Putain. Oh. Ah, mais c'est moi, putain. Mais qui est-ce que tu fous, putain? Eh, hey, depuis tout à l'heure, vous êtes parti. Vous m'avez pas attendu. Oh, et je me suis fait fracasser par le suceur de pite. Ça va, Kirby? Mais oh là là, putain. Ok, tu m'en... Écoutez, il y a une et mission... Et par le Amine aussi. Je sais pas comment les rouges sont au courant, ok? Ouais. Mais il y a une soirée, là. Et dans cette soirée, il y a des videurs qui cachent des salles. Et les rouges essayent de voler le costume d'un videur pour pouvoir s'introduire dans un frigo. Je suppose que c'est les rouges parce qu'il y avait Yellow qui était pas masquée, elle était là en mode bas les couilles, c'est passé crème. Et elle était avec trois personnes masquées. Et moi, il est venu me voir d'où, tu sais, j'ai pris une autre voix et tout. Il m'a pris pour un mec de chez lui, il m'a dit alors, t'as trouvé un truc? J'ai dit non, et toi, il avait rien trouvé apparemment. Et après, oui, il m'a dit, sauf que là, il y a un frigo. T'es qui? Il m'a dit, écoute-moi, il y a un frigo avec un code. Ouais. Et il faut ce code pour pouvoir rentrer et récupérer quelque chose dans le frigo. T'as pas ton truc là qu'on a pété à l'autre. Mais je sais pas si ça marche ça. Mais quand tu vois que vous avez du mal à quitter le frigo, ils veulent carrément les déplier. Brandon a trouvé un deuxième pied de biche. Il nous manque un pied de biche si on peut savoir ce qu'il y a là-bas. Allez, action, on y va. Bah oui, mais imite une voix, tu fais genre t'es là pour un événement, voilà, allez. On se sépare, on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir, salut, bonsoir. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais putain, non mais... Ils nous ont volé ça. Ah bon, bonsoir. Il m'a demandé, bonsoir. Ouais, retourne dans ton puits. Bonsoir. On va retourner à l'extérieur, venez. Oh, bonsoir, messieurs, bonsoir. Oh, quelle fête, quelle soirée, waouh. Bonne soirée masquée, monsieur, je vois beaucoup de gens venir masquer ici. Ah si, c'est pour un événement bien particulier, monsieur. Une surprise pour monsieur le directeur. Exactement, j'en dirai pas plus. Très bien. Bien sûr. Waouh, quelle musique! J'ai envie de frotter, fouetter la rosette. Ah oui, moi. Waouh, je ne sais pas pourquoi je cours. Excusez-moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Rentrez, bonsoir. Faites comme chez vous. Ouais, j'ai me fumé une clope. En bien bas, sûr. Vous conseillez où? Oh, vous pouvez venir en bas. C'est excellent ce qui s'y passe. J'aime la fumée, là, peut-être en haut, non? En bas, il y a un petit effet aquarium, je vous le dis, ça déchire. Ouais, faut que je sniffe mon coke là, faut un petit truc là, messieurs, au fait, j'aimerais... Ouais, vous voulez de la coke? J'ai peut-être quelque chose, messieurs, qui pourrait vous intéresser. Ouais. Je nous présente, nous sommes dans l'événementiel et nous organisons la surprise de vous savez qui. Et pour ne pas trop en dire, nous aurions besoin d'un accessoire, auriez-vous ça? Quel accessoire? Un pied de biche? Oh bah écoutez, par exemple, vous le proposez vous-même. C'est la dixième fois qu'on me demande, non, je n'ai pas de pied de biche. Mais c'est n'importe quoi, mais qui demande ça? Ça n'a pas de sens. Je sais pas, plein de gens avec des masques comme vous là. C'est débile. Mais non, Doudou, c'est la prod, bien évidemment. Bah oui, dites-nous. Vu qu'on est en soirée, on est un peu alcoolisé, là j'ai fini le boulot. Ouais. Lâche. Ouais. Écoute, les petits numéros, la demoiselle, là, on leur file un pied de biche, non?
Je pense qu'elle, je lui laisse quoi? Elle doit avoir 30 ans, elle. Hein, elle a notre normal, elle a 30 ans, ouais. Femme mature, hein. Hein, oui, femme mature qui sait faire les choses. Hein. Oui, je suis mature. Bien mature. Oh, elle maîtrise le pied de biche comme une gazelle. C'est bien mature comme il faut. Si vous saviez, c'est mon truc et tout. C'est parfait, tu as mauvais ton numéro, puis on va vous donner le pied de biche. Hein, comme ça, on se revoit en date. Eh ben, c'est parfait, on va Netflix faire ça. And chill. Non, date tout de suite, hein. Date tout de suite. Ouais, parce qu'après, ouais, on sera mutés, nous. Hein. Ah ouais, on revient pour les cours. Ouais, j'avoue. Oh, la souris, ça, pouvez-vous nous laisser 5 minutes? On arrive. Écoute, ton numéro. Ça se voit que t'es un petit sauvage, toi. Je te donne ça tout de suite. Excellent. Triple 5. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse, vous deux? 937. Prends le pied de biche pour commencer à préparer, moi je m'occupe de lui. Ah oui. Oh, donnez-moi le pied de biche, monsieur, et... 937. Elle partira en date. 937, 555-90, 937. Oh, quel effet de bande ce soir, ça va être excellent. Bonsoir. Bien. Ouais, dis-moi. Moi, mon style, c'est les mecs, c'est toi. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu me fais, là, pour un pied de biche, toi? Comment ça? J'ai une surprise à préparer. Y'a pas de surprise, là, qu'est-ce que tu me fais pour un pied de biche, là? Ah bah, y'a... comment ça? Tu veux que je te masse les pieds? Non, c'est... Ah, tu, ok, j'ai compris, ok, ne bouge pas, tu aimes les hommes. Ouais. Ok, bouge pas. Toi, j'ai flashé sur toi. Dis-moi, la souris. Je vais t'appeler baby, ce soir. Je crois que cet homme est en train de flasher sur toi. Il aime les hommes. Non, pas la souris, toi. Constant. Rien à voir, il dit n'importe quoi. Dis-moi. Rien à voir, c'est toi. Ok, alors par contre, donne-moi le pied de biche et après, on voit ça. Non mais ton pote est en train de date ma copine contre un pied de biche, je te fous pas de ma gueule. Mais c'est les deux, faut que ça soit les deux. Ça se colle, ça se colle, hein. T'es en train de changer les règles, là. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de change. En privé, s'il vous plaît. Ok, moi ce que je peux te proposer... Écoute-moi bien, toi... Je te viens, je te plaque contre le mur, je t'envoie un coup, deux coups, un... Waouh, ouais, excellent. Je passe les pieds de biche. Bien sûr, par contre, on n'aura pas le temps, l'événement est bientôt. Je t'ai dit... Bonsoir, agent Nelson. Tu veux les pieds de biche, tu te plaques contre le mur et... Ah, mais tu comprendras que c'est compliqué. On a l'air d'avoir le même âge, donc c'est pas de problème. Oh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin, j'ai 48 ans. Bah voilà, vous êtes plus vieux que moi en plus. Vous aimez les hommes plus vieux? Ouais. La souris a 69 ans. Ça te dirait pas. Ne m'intéresse point. Bon, écoutez. Je crois que les négociations vont devoir s'arrêter là. C'est sûr, ça serait dommage. Oh. Hey, quoi? Waouh. Ils se sont embrassés. Regarde. Ils se sont embrassés. Ah ouais. On attend le bien sucré. On attend le pied de biche. Mais on votre masque là qui voit un peu votre beauté un peu. Le pied de biche, c'est dans mon contrat. Ça fait partie du contrat. Je retire le masque. Vas-y, allez, masqué là. Les motards, j'aime bien ça en plus. Chapeau, j'ai retiré le masque. Oh, ta galoche. Oh putain. Bon. Nash, un pointeur. Oh. Oh, viens là le pointeur. Oh, oh. Comment ça, pied de biche ou on balance, bâtard. Écoute-moi. Pied de biche ou on balance. Le pied de biche et la vie de ma mère, si je l'ai supprimé devant vous. Nash, fils de pute de pointeur, va. C'est le pointeur, on leur fait quoi, nous? Mais c'est toi, tu m'as dit. Oh, dégagez. Elle était bonne, cousin, vas-y, faut dire les termes. Vas-y, donne ce que t'as à donner. Tiens, sinon vous tombez tous les deux. Tenez, supprimez la photo, s'il vous plaît. Voilà. Supprime la photo, s'il vous plaît. Vas-y, s'il vous plaît, ouais. Rien sur TikTok, hein. C'est bon, supprimez. S'il vous plaît. C'est bon. Inspecteur Nelson. Va chercher les autres. Vas-y. C'est bon, vous pouvez Kirby, continuer. Kirby. Calmez votre bite un peu, monsieur. Non, il n'y a pas de Kirby, tu m'envoies, c'est mort de question. Non, mais vous avez pas voulu les radios, allez vous faire foutre. Allez chercher les deux autres. Allez chercher les deux autres. Mais ouais. Ils sont sur la radio, elle peut servir là. Mais il n'y a personne sur cette radio, j'ai dit à tout le monde d'y aller. Et il est où Aziz? C'est lui qui a le dernier. Non, c'est toi qui l'as. Non, c'est Aziz. Non, Aziz. Non, c'est Baby Girl. Bah va la trouver, elle est à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'elle fait? Baby Girl. Bonsoir. Oh, wow. Vas-y, viens. C'est bon, on a tout. Dans tous les cas, elle avait on pas a tout. Ben oui, bah bien sûr, on a tout. Bien joué, on rentre. Bien joué, les gars. Je fais croire que j'avais pris des photos, mais j'avais rien sur mais je sais, moi non plus. Hey, Jordan, je veux mon taser, s'il te plaît. Brandon, dis-toi que je donne ma personne. Jordan,
Je l'ai pas ton taser. Mais tu l'as mis où? Mais je l'ai donné à Aziz. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma tronche là? Hé hey. Aziz est jamais là. Tu te fous de ma tronche? Tu lui as passé mon taser? Bah non attends, Aziz il a un pied de biche je crois. Bah non, c'est toi qui l'as, non? Mais tu te fous de ma tronche, Jordan, la vie de ma mère. Mais non! Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais vas-y, mais pourquoi il lui a passé mon temps? Mais parce que j'allais être fouillé, réfléchis, putain, Kirby! Bah oui! Il voulait me refouiller une deuxième fois! Vas-y, c'est trop. Mais non, mais attendez, on n'a pas les 4, on n'a pas les 4. C'est Aziz qu'on a. On a les 4! Ok, on a les 4! C'est bon, t'as tout récup? C'est bon? Viens avec nous, c'est ton heure de croquer. Faites-lui confiance. Ok, ok, carré. Mais passe un pied de biche. Ouais, va falloir que tu nous en passes un. Ouais, vous inquiétez pas. Dites-moi pas que vous en avez 4. Si. Oh, c'est magnifique. Oh merde. Wouah, bonsoir. Monsieur la police. Oh là là, y'a des jeunes dehors, putain de merde. Allez, hop, tout le monde. Y'a des problèmes, monsieur, des problèmes. Y'a des gens qui sont en train de se raqueter. Non, mais oh là là, attendez, écoutez-moi, collègue. Collègue, pas de collègue, monsieur, vous avez 16 ans ici, vous êtes un jeune homme. Donc vous retournez tous là-bas, allez. Monsieur, dépêchez-vous, il y a l'école, un truc. Moi, je vais vous dire un vrai problème qu'il y a. Il y a des yakuza qui sont en train de tourner autour de l'école et je suis ici pour sécuriser. Donc vous rentrez tous à l'intérieur. Je vais aller chercher monsieur le directeur. On rentre à l'intérieur. Carré, vas-y, carré. Allez, vite. Circulez. Les fils de pute. Oh, Brandon. Ouais. Il y a une bouche d'égo juste à côté où tu voyais qu'est-ce qu'il y avait juste en dessous de la pièce jaune. Et il y a quoi? Il y a quoi? Il y avait du feu, des choses bizarres, des trappes. Il nous regarde là. Écoute, il faut le neutraliser. C'est juste à la droite de l'eau, c'est juste à côté. Dans son dos, il faut le neutraliser. Ah, celle de là-bas, oui, ok, ok. Les égouts, vous les avez vus? Oh, Brandon, tu veux. Brandon. Ouais. Tu veux pas nous enfiler un chacun comme ça, c'est fait? Ouais, tu peux me passer un pied de biche, s'il te plaît? Attendez, je vous passerai les pieds de biche. Oui, je sais, mais quand on sera prêt à ouvrir. Ouais, mais si, Brandon. Vous allez les perdre. Attends, Brandon, tu peux pas dire, tu peux pas me faire confiance avec ce que j'ai fait pour Watt. Non, mais. Brandon! Je te fais confiance! Attends, non, mais toi, tu veux que tu l'aies maintenant ou pas? Brandon, s'il te plaît, passe-moi! Mais ça change rien que vous l'ayez ouais, ou pas! Ouais, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave! Vas-y, c'est pas grave! On va l'ouvrir ensemble! Je vous jure que je n'irai pas sans vous! Quoi? Camarade, calmez-vous, t'as les urgents! Il faut déjà trouver une solution pour les cartes! Je vais pas séparer la clé! Il faut trouver une solution! Non, mais l'ultime clé! L'ultime clé, je sais qu'il a! J'ai une solution! Vas-y! Ouais! Tu fais croire que t'es un pointeur, tu cours et je te promets qu'on te dise ce qu'on a trouvé! Ouais, carré. Tu le mettais ton nez, moi? Oui, tu cours derrière lui et tout pour le distraire pendant que nous on l'ouvre. Et je te promets. Non, mais t'inquiète, Bachir il me fait confiance, il sait que je lui dirai. Ah oui, je fais la confiance. Preuve. Ouais, t'inquiète. Je le mettais ton nez. Corre, je vais niquer vous sur le pointeur. Voilà, Bachir, t'es le boss. Oh, Bachir, t'es le boss. T'es le boss, Bachir. Vas-y. Oh, courez vers lui, dites-lui que je suis le pointeur. Vas-y, on court. Ok. Oh, je vais niquer vos petits culs là. Vous avez des bons culs. Au secours! Y'a un pointeur! Y'a un pointeur! Y'a un pointeur! Y'a un pointeur! Au secours! Au secours! Au secours! Y'a un pointeur! Y'a un pointeur! Why? Vos petits coups là! Arrêtez-le! Coup de doigt! Bien dit, Brandon, donnez-moi le coup de doigt! Bien dit! Non, je suis pas fini, je vais encore! Policier, vous êtes fou à tenter des trucs comme ça. Eh, je crois que c'est pas l'heure. Il faut le prendre. Eh, je crois que c'est pas le moment, il le surveille trop. Ouais, c'est pas pour maintenant. T'as encore les menottes ou pas? Non, mais c'est un policier, il a sorti une arme à feu. Il va pas hésiter à tirer sur quoi? Ouais, non, laissez-moi. On n'est pas dans. Ouais, vous avez raison. Ça le taser, Louis, il va rien comprendre. Je suis trop excité à l'idée de trouver là. Je sais pas comment on va faire. Je connais quelqu'un, il avait le taser. Il taser, Louis. Moi, je l'ai, mais je risquerai pas d'attaquer un policier, vous êtes des fous. Ouais, c'est vrai. Ouais, non. Vous êtes des fous. Bon, on fait quoi? Si je mourrais, vous me dites dans ma pomme, qu'est-ce qu'elle est. Go casier, viens, repose, on va reposer. On prend pas de risque, on a une avance de fou. On va passer devant lui, on va faire le tour. À mon avis, on n'y arrivera pas ce soir, je pense que c'est demain. On a une avance de fou. Ouais, peut-être, je sais pas. Tu penses? Nova? Je sais pas, mais par contre, je vous cache pas, s'il y en a d'autres qui arrivent ce soir, j'ai avoir la haine. Oublie pas que t'as la clé, hein, Nova. Sur moi, là. Bah oui, non, mais t'as la pépite, et c'est la clé, apparemment. Mais qui dit qu'ils en ont pas une aussi? Non, je pense pas, hein. Personne d'autre en a parlé à part toi. Ouais, mais il me l'a demandé. Ouais, mais tu sais bien que dans l'école ça se serait, tu vois, c'est bizarre. Par contre, le Aziz, c'est bizarre aussi. Va falloir surveiller le comportement d'Aziz. Brandon, tu penses quoi d'Aziz? Moi, je lui fais pas confiance. Bah, moi non plus, hein.
En plus, tu lui as donné vraiment. Moi, je te le dis, il va nous. Non, mais Kirby, s'il te plaît, arrête de fixer ton taser de merde là. Non, on sent pas les couilles. Mais oui, on sent pas les couilles. C'est la clé qu'il nous faut. Mais oui. Non, mais on l'a la clé. On l'a la clé. Ouais, on a la clé. Moi, je vous le dis, il va nous baiser. Ah ouais? Ouais. Ça m'étonne pas. Donc moi, à partir de là, je le ferai pas rentrer dans le plan. Si vous le faites rentrer dans le plan, il y a plus de plan ensemble. Attends. Tu peux pas nous dire ça après ce que j'ai fait pour toi et tout là. Attends, mais on est ensemble. Deux tout seul. On est ensemble. C'est moi qui suis allé voir et c'est moi qui suis allé voir les profs de chimie et c'est moi qui leur ai demandé s'il y a pas moyen d'avoir. Alors moi, j'estime que voilà, j'ai le droit. Tu veux? Ok. Et après, bah moi, sinon, je peux dire, j'ai dit que et j'avais moi, des photos. Alors vous allez voir. Oui, voilà. Ouais, mais moi, j'en ai trouvé deux tout seul. C'est ça que je vous dis. C'est pas que. On est ensemble. Mais si vous mettez Aziz dedans, on n'est plus ensemble. Moi, je on le mets pas. Avec Brandon, on le met pas. Sa meuf, là. Voilà. Moi, je si, le mets pas. Je m'en si balais. Jordan, toi, t'es le plus proche de lui. Si tu lui dis, on sera plus avec toi. Donc maintenant, choisis ton camp. Et on n'aura aucune peine à t'évincer. Si t'es avec nous, t'es avec nous à 100%. Ah. C'est qui? Ah, oh, c'est le mec, c'est le plombier là, ou le mec qui voulait parler avec un videur tout à l'heure. Eh, hey, vas-y, Brandon. Brandon, on va pas faire genre, tu sais très bien c'est quoi mon camp. Serge, t'enlèves ton masque, toi t'es qui? C'est carré. Mais juste, si vous me la mettez à l'envers, vous êtes vraiment les plus grosses salopes personne que j'ai jamais connues. Mais personne va te la mettre à l'envers. Mais man, mais t'es sérieux ou quoi? Je reste avec vous, je reste avec vous. Parce que je sais pas, personne veut m'écouter deux minutes, c'est fou. Mais t'inquiète, vas-y. Mais si on t'écoute, non, à quel moment t'as pas écouté? Bah les radios et tout, mais vas-y tranquille, arrête-toi. Mais les radios... Okay, les radios en fait c'était... Vas-y. Mais c'était la meilleure idée pour éviter de se courir après, mais vas-y tranquille, c'est pas grave. Arrête, mais regarde, on se trouve facilement finalement. Bah ouais, vite fait. Bon on fait quoi? On va à la soirée, on a, je crois qu'on a trop d'avance, on est dans le futur. Ouais je pense qu'on va à la soirée, vas-y, on va tu la penses défendre. Que... Moi je vous jure, je sens qu'on va se faire devancer, je sais pas pourquoi j'en suis sûr. Mais par qui? Par qui? Personne n'en aura autant. Je te dis, il y avait les rouges qui étaient là-bas, qui rentraient dans des codes, dans des coffres, des codes qui... Oui, mais je l'ai eu avant eux, je suis rentré avant eux. Dans le frigo ? Oui, il rentre avant eux, il a rentré avant eux. Il y avait quoi ? Mais il y avait quoi dedans ? Ils ont rien eu. Il y avait quoi dedans ? Il y avait un pied de biche. Okay. Il y avait un pied de biche, justement. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'en ai ramené deux, donc calmez-vous. Vas-y, carré. Bon bah go, profitez de la soirée au calme, ok ? Allez. Vas-y. Eh, vite fait, attends, bébiche. T'as confiance en... Vous avez confiance de fou ? Et bien évidemment, j'ai confiance en Brandon. T'as vu tout ce qu'il a fait avec nous depuis tout à l'heure? Ok, il a fait des efforts. Vas-y, carré. Alors, tu gardes la clé, hein, toi, ultime. Quoi qu'il arrive, non. Ah, oui, oui. Mais okay. Tu vois, je l'ai testé tout à l'heure. Je lui ai donné, voir s'il allait faire un truc. Quand je lui ai demandé de me la rendre, il me l'a rendu direct. Carré. Tu vois, carré. Rien que ça. Carré, rien alors. Que ça, c'est carré. Un test de confiance. Par contre, dites-vous un truc. Il en a trois, petite biche. Il en a trois. Bah, qui a le quatrième? Bah, c'est lui qui a les trois. Mais le quatrième, c'est Nova qui a le quatrième. Okay. Et Brandon, il en a trois, donc s'il suffit qu'il s'allie à quelqu'un d'autre qui lui il a un pied de biche. Oui, mais il a pas la pépite, il a pas la pépite. Ouais, c'est vrai. Normalement, il y en a qu'une. Normalement, il y en a qu'une. Ouais, c'est vrai, il a pas la pépite. Vas-y, venez, on va en soirée, on va louper des trucs de fou. Attends, on fait quoi? Bah, ça, c'est l'heure d'aller se coucher, Blackout. Ouais, hein. C'est l'heure d'aller se coucher. Bah, vas-y, on réenfe. Attends, venez on les suit là, les deux là. Pourquoi il y a des flics dans ton putain de bahut? Mais c'est des gens, ils sont déguisés. Ah ouais, d'accord. Viens, on fait demain. Vas-y, demain. Vas-y. Faut vraiment qu'on travaille au corps. Vas-y, demain, on gère ça. Oh oui. Oh oui, j'ai fait un délit. Je vais t'expliquer. Oh monsieur là. Un élève de l'école? Comment? Vous êtes un élève de l'école? Non, pas du tout. Je passais par là pour rentrer de soirée. Toi, tu passes par les écoles, toi, bâtard, hein. Arrêtez-le. Sortez d'ici. Lui, il veut faire des attouchements aux enfants, lui. Désolé, je pars. Monsieur, je veux rentrer au dortoir. Non, viens. Ah, tu sais, passe partout. Comment ça se trouve, des élèves étaient dehors? Je comprends pas, là. C'est quoi, cette école? Mais y a pas d'élèves, ici. Monsieur, t'es surveillant? Que des gangsters. Ouais, c'est ça, des surveillants. Elle manque de surveillance, cette école, pour être honnête. Ouais, mais on est surveillants, nous, d'ailleurs. Bah oui. Il est temps. Des disciplines, moi. Bah oui, il est temps d'aller surveiller. Allez. Ah mais pour la discipline, il faut maintenir l'ordre. Ah merde. T'es parti mettre ton pyjama en fait. T'as besoin de te mettre à l'aise. Ah ouais. Venez les filles. Pas ma chambre ça. Ouais, c'est quoi ça? Tu m'as pas dit Brandon. Et qu'on se met où? Ah, on va dans la chambre à Brandon. Mais non, mais j'ai oublié mes clés dans mon casier. Mais attends, t'as des clés dans ta chambre toi? Bah venez, on va dans ma chambre. T'as des clés, man. Mais non, vous déconnez. Bah non, on déconne pas. Ah vas-y, venez dans ma chambre. Normalement, ça a été mis dans ton casier. Ah ouais? Ah ouais, man. Ok. Bien sûr que oui. Bon, je crois qu'on a eu trop d'avance pour le coup. On gère. On est la meilleure classe, ok? Carré ou pas? Carré. Ouais, carré. Carré tant qu'on s'en tient en plan.
Ouais, qu'on s'en tient. Mais arrête, plan, toi, tu crois que je vais tout dire à Aziz? Bah, moi, je dis juste. Je t'ai dit, mais mon camp était choisi, c'est bon. Maintenant, juste, on trahit pas trop. Les gars, on a les 4 pieds de biche et moi, j'ai la clé. Donc, t'assures sur la clé, on fait rien. Hé, au fait, vous êtes au courant pour le passage? Le passage? Le passage? Ouais, dans les chiottes, ouais, il y a un passage secret dans les chiottes. Vous êtes au courant, c'est bon? Vas-y, bien joué. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Vous pensez que je dois plaquer Bobby ou pas? On s'en bat les couilles. Eh, hey, Bobby, j'en peux plus. Foutre. Ouais, bah, dégage-le. Pourquoi tu penses ça, baby girl? Je sais pas, on passe jamais de temps ensemble. Et quoi, t'as envie de te mettre avec Jordan, c'est ça? Mais non. Et t'as tué, non? Non. C'est mon meilleur pote. Bah ouais. Eh, hey, écoutez. Tu parles de baby girl? Écoutez, je vous en supplie. Yellow l'a mise à l'envers à Aziz. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, elle est colle comme un petit toutou, on la voit pas. Oh, Bobby te la mettra à l'envers. Bobby te la mettra à l'envers. Mais non, Bobby, il est pas amoureux. Vous avez bien avec sa tête d'électron. Aziz, il est amoureux, pardon. Aziz. Voilà, mais Bobby va nous la mettre à l'envers aussi. Il est avec les verts. Il a été matrixé déjà par les rouges. Vous m'interdisez. D'ailleurs, le concierge, il m'a dit que demain ça allait être très mouvementé. Eh, hey, vous m'interdisez de parler à Aziz. Continue de parler à Aziz justement. Mais non, tu lui dis rien du tout. Et essaie de récupérer le Taz aussi au passage. Voilà, on sait jamais. Non, moi ça me sert hein, parce que je suis désolé, moi j'ai pris des sales trucs là tout à l'heure. Vas-y, arrêtez là. Mais non, et ce soir, vraiment j'ai envie de péter ma tête. J'ai passé ma pire soirée. Vraiment, j'ai passé ma pire soirée. Pourquoi? Je te jure que j'ai passé ma pire soirée, man. Je te jure. Non, moi ma pire soirée c'était le Japon. Moi j'ai eu aucune pire soirée, j'ai eu que des top soirées. Moi, franchement, parce que vu que nous quatre on est une famille, j'ai eu aucune pire soirée. Je vous aime tous. Arrête moi de sucer, ça devient bizarre. Eh, je peux dormir sous votre lit. Putain, si Brandon il dit que je suce, c'est qu'il est, c'est mieux de tout le monde, vas-y. Eh, je peux dormir sous votre lit. Ouais. Comment toi, tu veux dormir. Vas-y, dors là, on s'en bat les couilles, vas-y. Ouais, baby girl. Voilà, arrêtez vos conneries là. Je dors avec toi, baby girl. Arrête, j'essaye de dormir, putain, c'est pas vrai. Je dors avec baby girl, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous, dors avec qui tu veux, putain. Ouais, je fais ce que je veux. Bon, tu les filles. Tu préfères que je vienne? Non, c'est bon, tu peux. Bon, bah alors. Pourquoi t'as passé la pire soirée? Vas-y, laisse tomber, man. Bah vas-y, dis, raconte. Ah, parce que j'ai fait que me prendre des patates de tous les côtés. Ensuite, je me suis pris un coup de lampe. Un coup de lampe? Un coup de truc. Ouais, man. L'autre là, le suceur de bite, il avait une. Genre, comment ça s'appelle? Une lampe, quoi. Ok. Il m'a mis un gros coup à la gueule. Il t'a éclairé la gueule. Ouais, ils étaient vraiment énervés contre moi. Vas-y, tu m'écoutes pas, sale chien, bah. Hey, mais c'est pas moi qui dors, putain, c'est Tago. Abruti. Tu crois? Putain, non, mais attends. Bah voilà. Comme ça. Sérieux? Pourquoi t'es déçu, là? Non, mais attends, mais elle ronfle comme un... Nova? Papa, on dirait un alien, un peu. Non? Non, je crois pas, mais c'est réel. Baby girl. Bon bien. N'oubliez pas une chose, hey, les filles, n'oubliez pas une chose, on est la meilleure classe, on a été la meilleure classe de toute l'école. Tu penses? Mais c'est sûr. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Je suis trop fatiguée, je me suis endormie super vite. Rien, il y a juste Kirby qui te faisait des câlins. Oh, je t'ai fait des petits câlins, my baby girl. Pas trop, ça fait peur. Eh, vas-y, j'ai pas envie de tenir la chandelle là, fermez-la et dormez. Eh, hey, vas-y, t'abuses, toi. Mais non, vas-y, tu fais quoi, là? La chandelle. Bah ouais, putain. Tu veux venir, ma petite fleur de zil? Mais non, j'ai pas envie, on tient pas à trois là-dedans, là, dans ce merdier, putain. Bah... En plus, y'a même pas de couverture dans cette école de clochards. En plus, j'ai trop besoin de réconfort. Eh ben, demande à Nova. Oh, putain, vas-y. Eh, bonne nuit. Heureusement que ma petite baby girl est là. Bonne nuit, je vais au lit, là. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, toi aussi, putain. To me, so don't you bother looking this way. Got a dozen on me, I just got wifey by like 6 rings. Tried to say they ballin', but that isn't what they bitch say. Doing all I want, it's on the regular. I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them. I'm not just...